Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de détruire 10 objets avec un seul Kamehameha. Alors déjà pour réaliser ce défi, il vous faudra un Kamehameha. Donc les Kamehameha, vous allez pouvoir les trouver un peu partout sur la map de Fortnite en forme de capsule. Donc regardez, c'est ce genre de capsule là. Elle tombe après quelques minutes, enfin je pense que c'est après une ou deux minutes de gameplay sur la map. Les capsules tombent et si vous en récupérez une, vous allez pouvoir obtenir un Kamehameha. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi pour obtenir un Kamehameha, c'est d'aller parler à Bulma pour lui en acheter un. Donc voilà, alors moi ce que je vous conseille pour réaliser le défi c'est de vous rendre ici, mais je pense que vous allez pouvoir le faire un peu n'importe où sur la map de Fortnite. C'est juste qu'il vous faudra essayer d'un peu calculer combien d'objets vous avez devant vous, parce qu'en fait pour réaliser le défi il faudra détruire 10 objets. Donc là je vais essayer de calculer combien il y a d'objets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, il y en a déjà 8 là, on va dire, on va calculer 9, 10, voilà, peut-être même 11, 12, il y a peut-être 12 objets en face de moi. Donc franchement, vous vous mettez au même endroit, plus la petite boîte là qu'il y a là. Ouais, on peut même se mettre ici, regardez, on se met derrière la rambarde ici, comme ça, ça fait 13, 14, 15, 16, 17, ça fait 18, 19 objets, ok? Plus la plante là, et même le rocher si on veut. Franchement, vous vous mettez... Voilà, vous vous mettez dans la plante là, exactement, au même endroit que moi. Vous prenez votre Kamehameha, vous visez dans la fenêtre. Donc là, ça va me soulever. Hein. Quand vous allez tirer, ça va vous soulever, mais vous mettez là, normalement, ça me soulève. Et là, vous visez la poubelle jaune. Or, un peu plus sur la gauche, s'il faut. Voilà, là, en vrai, je crois qu'on a fait le taf, je crois. Déjà, il y a le mur. 1, 2, 3, 4... Faudrait que je calcule. Ouais, regardez, il y a largement, je crois. Si jamais vous n'avez pas réussi, si jamais ça n'a pas validé le défi, ce que vous faites, c'est que vous recommencez. Mais cette fois-ci, on va faire différemment. On va aller un tout petit peu plus bas. Voilà, genre ici. On va activer le truc, comme ça quand je vais me lever, je vais viser les deux bancs, plus le banc là, la poubelle, ça va toucher derrière, ça va toucher cette armoire là, cette chaise, etc. Donc là, il y a moyen que ça fasse encore plus d'objets détruits. Donc hop, je me mets ici, j'appuie, bon, ça me soulève, je vise un peu par là. Et regardez les dégâts que ça a fait. Donc ça a détruit déjà les 2-3 sols qui étaient là, ensuite les deux bancs, les objets qui étaient tous devant moi. Donc voilà, franchement, je pense que là, les 10 objets, vous les avez faciles. Si vraiment ça marche pas, vous venez ici et vous tirez là-dedans, vous tirez dans le tas. Et je pense que là, boum, obligé, vous avez détruit 10 objets. Donc voilà, tant que vous détruisez pas les 10 objets, de toute façon, vous continuez, vous essayez de plusieurs angles possibles, vous essayez de détruire complètement toute la maison, vous allez bien finir par y arriver. Et dès que vous aurez réussi à péter 10 objets en un seul caméra, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.